7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. On l'a appris en fin de semaine, un bébé est mort à l'hôpital de Tarbes à la suite d'une infection qui fait penser à une méningite. Bonjour docteur Kerzec. Bonjour Thomas. C'est quoi la méningite Alors, La méningite, c'est une inflammation des méninges. Les méninges, vous savez, c'est ce qui entoure le système nerveux, le cerveau. C'est une espèce d'enveloppe qui va entourer le cerveau et descendre le long de la moelle épinière. Et à l'intérieur circule le liquide céphalo-rachidien. Et quand il y a une méningite, eh bien c'est une infection. Et ce mot fait peur parce que cette infection, elle peut être bactérienne et c'est la plus grave et c'est une urgence thérapeutique. Mais elle est le plus souvent virale. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire la différence. Extérieurement, vous ne pouvez pas faire la différence. Mais quels sont les symptômes de la méningite Justement, les symptômes, qu'elles soient virales ou qu'elles soient bactériennes, ce sont les mêmes. C'est un syndrome méningé fébrile. Ça veut dire quoi mal Ça veut tête. dire que vous avez de la fièvre, vous avez un mal de tête, des céphalées qui sont violentes, éventuellement des vomissements. Mais c'est cette combinaison mot de tête, donc euh, attaque du système nerveux plus de la fièvre, qui doit vous faire redouter cette méningite et consulter rapidement On un médecin. On parle souvent de la Nucred aussi, c'est un vrai indice ça, ou Oui, pas alors c'est un vrai indice, mais c'est surtout un indice d'examen clinique que nous médecins on va faire un examen clinique on va vous examiner et on va vérifier si vous avez une nuque qui est un peu raide malheureusement il y a certaines certaines méningites où vous n'avez pas cette raideur de nuque c'est vrai que si vous avez tous les symptômes raideur de nuque de la fièvre plus des maux de tête ça fait vraiment un, un triptyque qui Là doit alerter alors pour un adulte c'est facile de, de, de faire le compte de ces symptômes mais pour un enfant pour un bébé comment savoir docteur bah, c'est tout le problème parce que c'est difficile à déceler l'enfant va pas vous dire j'ai mal j'ai mal à la tête en revanche s'il a une forte fièvre si vous dépistez une raideur du cou Éventuellement, c'est une rigidité de l'ensemble du corps. S'il si, euh, pleure sans arrêt ou il y a une modification du teint, il y a un bon signe également sur cette méningite bactérienne c'est de déshabiller l'enfant et de vérifier qu'il n'a pas des petites taches violacées, notamment au niveau des membres, au niveau des pieds. Là aussi, ça doit vous faire euh, rapidement alerter. C'est même pas le médecin traitant. Il faut aller encore plus vite et il faut appeler le 15 parce que la méningite, c'est une urgence diagnostique. Il faut faire une ponction lombaire, il faut aller prélever un petit peu de ce liquide céphalo-rachidien et c'est surtout une urgence thérapeutique. C'est-à-dire que le seul réflexe à avoir, c'est le 15. On peut pas euh, peut-être donner un petit traitement préventif, faire, essayer de faire tomber la fièvre, tout ça. Alors si votre médecin traitant est joignable, ça peut être votre médecin traitant très vite, sinon c'est le 15 et il vaut mieux encore une fois appeler à tort et maximiser le risque, mais il faut vraiment rapidement donner des antibiotiques, faire le diagnostic, donner des antibiotiques et l'erreur ça serait d'attendre et d'ailleurs il y a un couple de parents canadiens qui vient d'être condamné pour non assistance à personne en danger parce qu'ils avaient attendu, ils avaient même essayé de la naturopathie, ils avaient consulté un naturopathe et là attention à l'automédication, un enfant qui a de la fièvre, qui a de la fièvre qui il faut consulter parce que l'automédication Surtout pas d'automédication quand il y a des, des symptômes N qui font penser à une méningite. Hein. Oui, parce qu'on risque de passer à côté et d'attendre et de retarder le traitement. Dernière question il y, a, il y a un vaccin pour la méningite Vous le recommandez ou pas Oui, il y a un vaccin. Il y a même plusieurs vaccins contre la méningite. Discutez-en avec votre médecin traitant là aussi. Il y a un vaccin contre le méningocoque, contre l'hémophilus également, qui sont deux bactéries responsables de la méningite. Il y en a un contre le pneumocoque également. Donc le vaccin hémophilus méningocoque c'est recommandé pour les enfants et le pneumocoque chez les patients adultes également qui ont des facteurs de risque. Parlez-en avec votre médecin comme vous pouvez parler à notre médecin, le docteur Kirzek. C'est très simple, vous nous envoyez un tweet avec le hashtag un matin, et il vous répond à 7h05 dans la question santé sur Europe 1. À demain, Gérald. À demain, demain.